Bonjour à tous, c'est Pun, je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, j'ai vu que tout le monde est en train de partir du YouTube Game FIFA en ce moment. Alors moi, les gars, pour le moment, je pars pas. Après, à tout moment, je vous envoie un petit message et je vous dis, je pars, je vais faire le tour du monde, je ferai des vlogs et je me retrouverai peut-être au Mexique. On va juste viser le Roi Pelé 97. Voilà, il y a des nouvelles cartes qui sont sorties. On va se retrouver en draft, on va se régaler la famille. On a fait le World Record déjà 126, maintenant on est sur 127. Voilà, 94 de notre 4-3-3, 4-3-2-1, on tente le 4-3-2-1, on va voir ce que ça donne. Je ne me suis pas renseigné sur les nouvelles cartes, je vais d'ailleurs le faire pendant la vidéo. On a Hansen, je pense qu'Hansen ça va être notre choix, et on part du coup sur la joueuse du Barça. On va en pointe maintenant, voilà, il y a les nouveaux joueurs qui sont disponibles, je sais pas lesquels vont sortir, peut-être de belles cartes promotion. On a Cruyff pour le moment avec Haaland, c'est pas mal, et le troisième AT. Enfin, le troisième attaquant plutôt, ce sera un Puskás à 92 de général. On enchaîne avec les milieux de terrain. Le premier, oh ok, de Lise Bergkamp, 92. On a la troisième icône, deuxième icône hollandaise, c'est pas mal. On enchaîne avec un Goretzka. Léon Goretzka, je pense qu'il aura sa place large avec toutes les icônes qu'on aura. Et le troisième milieu de terrain, vraiment j'ai choisi une bonne orée, hein. Je pense qu'on va pas se tromper. Ah, bonne Mati. Alors Hansen, est-ce que je peux la faire entrer? Non, je peux pas. En revanche... Oui, mais Véron, c'est 4 points de différence. C'est énorme, mon copain. Donc, je suis obligé de partir sur la joueuse du Barça. On va en défense maintenant. On a Williamson. Mais je pense que le Tessier. Ça... Alors, est-ce que ça va rentrer? Là, c'est la question. Là, ça va être compliqué de pouvoir faire rentrer tout le monde, les amis. On va espérer avoir des Irps dans les cages. Avoir des joueurs intéressants. Ruben Dias, ça m'intéresse pour Haaland. C'est magnifique. Ça va donner direct le col. En fait, les icônes me permettent de choisir vraiment un large choix de ligue et de championnat. Carpenter. Là, je pense que Van Bissaka, ce sera préférable. Hein. Ouais, pour 3 petits points, on va devoir le remplacer, mais Van Bissaka, c'est pas mal. Côté gauche, Roberto Carlos, c'est sans hésitation. Et côté cage, alors, ça va être compliqué, mais il va nous falloir du coup un bon gardien remplaçant après. Bert Leno, c'est celui qui rentre le mieux. En vrai de vrai, 91 de notes, 32 de collectif. C'est une draft world record. On peut aller se viser le 126 minimum, 127 du coup, puisque c'est maintenant le 127 que l'on vise. C'est ça le record. Et bien voilà les gars, on en parlait. Irps, magnifique, je l'adore. Et je vais du coup la sélectionner. Je vais la mettre dans les cages. Alors, pourquoi il y a 31, on perd 1. Et bonne Mati, à pas. Ah, c'est Goretzka, ok. Bon, on va trouver un milieu de terrain intéressant, j'espère. Franchement, il n'y a pas trop de défauts mis à part en défense. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Voilà, côté droit, peut-être défenseur droit, améliorer ça. Les deux milieux, horrible, horrible, les gars. Frimpong, je peux pas le prendre comme ça à 85. Non, je pars sur Koupnikers. Je veux maintenant des défenseurs droits, des latéraux qui peuvent m'intéresser. On va voir un Boué, mais là, on a Hernandez, Théo Hernandez, magnifico. Je regarde, hein. Mais Boué, c'est vrai que si je le mets Goretzka, c'est sûr qu'il a son collectif. Putain, c'est dur comme je suis. Ah, mais il y a 6 points de différence. Je vise le world record. Si Boué retombe, c'est magnifique. Et voilà, voilà pourquoi, les amis, il faut faire confiance à Yesport. Parce qu'on a Carlos Alberto qui sort juste après. Et ça nous fait, je pense, le world record. Hein. Ça va nous le faire, les gars. Je pense juste... Un entraîneur allemand. Après, il y a qui manque. Il y a Bonne Mati aussi. Oh, bordel. Il va falloir trouver les idées. Allez, donne-moi les joueurs eSports. On va avoir qui? On a Katoto. Ok, Katoto, je pense qu'elle sert à pas à grand-chose pour ce qui est du collectif. Il me faut, je sais pas, un milieu de terrain. Soit un milieu de terrain icône. Gullit, magnifique. Voilà, je dis que ça. Je dis que ce blast, les gars. Gullit, version 94. La nouvelle version, ce serait incroyable. Mais bon, est-ce qu'eSports est capable de me donner ce genre de joueur? On va avoir Kubo. On a 91 de notes, hein, c'est énorme. Je vais laisser les deux choix pour la fin. On va prendre le gardien. Choix qui sera ignoble. J'ai bien fait de choisir le gardien. Neto, on a déjà Irps de toute façon. Donc c'est bon maintenant. On va viser deux masterclass. Allez, pour faire le world record, il me faut deux milieux de terrain. Enfin, un déjà. Ok, on a Coman en défense. Qui peut jouer à la place de la Gadji. Eh oui, non, mais ça passe pas. Ça passe pas, malheureusement. Je vais devoir prendre mes couronnes et cliquer sur ce bouton pour avoir une Gullit. Allez, monsieur Rude. Nadine Kessler, la team. Oh, le choix, il est intéressant de fou. Le choix, bah, parce que Goretzka, il va... Bah oui, je mets Nadine. Goretzka, il va avoir... Mais bien sûr, les gars, c'est bon, j'ai le... J'ai pas le world record, je pense. Mais en tout cas, j'ai le collectif, c'est sûr. 33 de colle, 91 de notes, c'est magnifique. Je vais ranger le banc. Regardez-moi ce banc qui est magnifique aussi. On a sur le Teco un
commun que l'on va prendre, Adji, que l'on va mettre ici. On passe facile à 92, ça c'est sûr. Est-ce qu'on le fait le 93? Est-ce qu'on le fait le 126? Ouh, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Franchement, la draft, elle est magnifique. Remettons le Tissier et on passe du coup à 33 de collectif, 92 de notes. Bon, bah déjà, là on valide quasiment une world record. C'est pas 126. Après 127, est-ce qu'il y a eu des 127? Je vais chercher, je vais regarder les amis. Juste après cette draft-là, je vais regarder sur YouTube. Résumé, Ultimate avec de très grosses moyennes mises à part en défense. Bon, c'est un petit peu logique, mais mis à part ça, cette icône, 33 de colle, 92 de notes, 125. Voilà. Je regarde, mais je ne vois aucune draft à 127. Ce qui veut dire que si on fait la draft à 127, on serait les premiers dans le monde. Alors, choix de la compo. On a vu que le 4-3-2-1, c'était grave sympa. Mais ça peut être sympa aussi, le 4-1-2-1-2, avec deux buteurs en MOC, 2 MC. Pourquoi pas, je vous dis. Avec un Robert Lewandowski en tant que capitaine. Ça commence moyennement. Il va me falloir maintenant rappeler minimum pour me réconforter. Oui, ok, tu joues sur les mots, Yesport. On joue sur les mots. On part sur Abedi Pelé en numéro 10 et le buteur. Pour compléter ce trio offensif, on va avoir Wayne Rooney qui peut jouer MOC. Pas mal, ça a noté. Non, j'ai des bons joueurs. Franchement, j'ai des bons joueurs pour commencer. Et les milieux de terrain, on enchaîne. Magnifique la team. Andrea Pirlo, ça c'est une nouvelle carte. Il va falloir que je me renseigne un peu, mais j'ai la flemme d'aller sur Footbin et de regarder les nouvelles cartes, je vous dis la vérité. Mais Pirlo, par contre, il peut jouer MDC. Ça c'est lourd. Ça c'est lourd de fou. Et le deuxième milieu de terrain, on sait que les deux MC, ils seront faits, les gars. Kamiabili. Oh, incroyable. La légende française, bien sûr. Le milieu récupérateur. Maintenant la team. Voilà, on se régale avec un petit Rodri des familles qui aura forcément son collectif. Putain. Pomme de terre, c'est quoi ce début de draft? Très très beau. J'aime beaucoup. Abidi, elle peut jouer MOC. On a trop de possibilités. J'ai peur qu'il me donne que des merdes maintenant. Voilà, c'est ça ma peur, c'est ça ma crainte. Je connais Yesports, je sais comment ils jouent avec mes nerfs. Je vais pas dire un autre terme. Mais parfois, ils peuvent jouer avec une partie de mon corps. Ferdinand, Rio Ferdinand à 93 de général, ça c'est magnifique. Je l'embrasse. À droite, on a qui là? Ok, Cash, Johnny, ça part. À gauche maintenant. Une icône Roberto Carlos, je t'appelle, je t'invoque, il est pas là, c'est Jordi Alba qui va prendre sa place. C'est pas mal en vrai Jordi Alba, il a direct son col. Ouais, allez, ça part. On va partir sur l'espagnol. Et côté cage, ça s'annonce comme étant sympa. Et finalement, ça n'est pas tant que ça. Arigola, c'est pas mal en vrai. Belle carte. 88 de gêne, français, première ligue. Je pars sur Alphonse. On a maintenant qu'amélioré le latéral droit, le défenseur central. Peut-être le numéro 10, même si je peux, vous le savez, avec Abili ou Rooney faire des changements de poste. Bichent, Lisa Razou. Ok, ça m'annonce comme étant sympa. On commence bien avec un très très bon défenseur gauche. Je vais remplacer Jordi. Là, on est quand même sur un plus 4, hein, c'est pas négligeable. Je vais sur le milieu. Bon, après, milieu, ça, en vrai, Abedi Pelé, ça va. C'est pas non plus le joueur nul. Mais c'est vrai qu'un 96, là, ça ferait du bien en numéro 10. Et on ne l'aura pas. On va voir Ohar. Bon, on a 2,94, je m'en défense. Je sais pas, je le sens bien ce choix. Je le sens bien, les gars, je le sens bien. C'est parfait, nickel. 92, je le mets à la place de Skriniar. On a 33 de colle. Juste maintenant, changer les défenseurs droits. Mais c'est bon, normalement, ça devrait se faire. Ça, là, le DD, il tombe. Il y a un DD, c'est sûr. Bon, toi, il va être nul. Mais d'ailleurs, il n'y en a pas, il n'y en a même pas. Je pars sur Cody. Et là, je vais choisir l'attaquant à la fin. On va attendre un peu. Je vais aller sur la réserve. On fait quelques petits choix. Pour le moment, est-ce qu'on est sur un board record? Je suis à 90 de notes. On a fait quand même quelques choix, mais pas tant que ça. Là, la réserve, ça s'annonce comme étant sympa. Frimpong, pas mal, je le prends. Le latéral droit, il est complété. Oh, la team. Il me faudra juste simplement un joueur de Ligue... Non, plutôt un entraîneur polonais. Oh là, frérot, comment trouver ça? Ben, comme ça, la team. Voilà, le buteur, il faut le remplacer. On va trouver le remplacement. Karim Benzema. Ça va rentrer, bien sûr. Je pense qu'on est sur un 33 de 91 de notes. Magnifique. Déjà... C'est beau, par contre, le banc, il est ignoble, quoi. Je vais choisir le gardien, en espérant avoir un bon gardien. Ça serait pas mal, franchement, on va pas l'avoir. On aura un Telaciano Di Gregorio. Telaciano, ça part sur le gardien italien. J'ai 3 joueurs, je peux peut-être monter à 93 de notes, mais il me faut genre 3 fois pelé, quoi. C'est... Après, si on me donne Messi, bien, je prends Léo. Léo, Messi, ça va rentrer, je pense. Ouais, Léo, faut que ça rentre, au bout d'un moment... Léo, on va le faire rentrer. Je peux pas mettre Karim en pointe et je vais tenter un truc après. Je vais voir. Prochain joueur. Encore un roi pelé ou pas? Encore un. Non, il n'y a pas de roi pelé. On s'emballe pas. Akoudi Aspa. C'est bien. C'est pas incroyable. 81, ce sera un joueur qui fera partie du banc. Et là, obligatoirement un gros joueur. Sinon, je suis foutu la team. Sinon, c'est foutu la team. Et on va voir le roi Maldini. Pas mal en vrai. Paolo, que je peux pas du tout mettre parce que la défense, elle est au complet. Mais il fera partie du banc.
des remplaçants. Franchement, ça va. Franchement, ça va. Je pense que le 91, c'est fait. 92, ça sera obligé. Là, maintenant, je pense avec Karim, on va le faire. 92, c'est fait, la team. Maintenant, il nous reste encore un joueur, hein, 89. Est-ce que le 89 va faire la différence? Pas sûr. Franchement, pas sûr. Je pense pas. Je pense pas. On est très, très loin du world record. Très loin, pas tant que ça. Il suffit de faire une moyenne de tous les joueurs titulaires et remplaçants que l'on a au sein de cette draft et de regarder la moyenne totale. Si on est sur du 92,9, là, on peut s'en vouloir. Deuxième draft de la vidéo. Et quel draft! On est sur un score monstrueux de 125, une fois de plus, 33 de colle, 92 de notes. Léo Messi, Pirlo, un milieu de terrain avec Camille Abili. Franchement, 6 icônes. Et que le roi Pelé, il peut tomber éventuellement, en fait. Et après le roi Pelé, il peut tomber aussi en remplacement. Vas-y, je vais tenter cette composition. 4-3, ça m'a l'air sympa quand même. Et je vais tenter, mais si ça m'énerve, franchement, de le prendre comme ça. Je pars sur Vinicius à 89 de général. Je ne sais pas sur quoi nous allons enchaîner, mais en tout cas, on y va avec Crespo, Hernan. Ok, ça part à 89. Bon, on est sur une draft à 89 de général. Ok, ça part sur ça. Et Diani, côté droit, à 92. Les milieux maintenant, les 3 MC, on va les faire du tac au tac. Là, entre les deux, je pense que Mataou, ce sera celui qui sera préféré puisqu'il peut jouer en défense. Mais je suis sûr qu'ils vont me reproposer Patoche. Je sais pas, je le sens. On a barré là, à 90. Ok, et à droite, milieu de terrain, toujours Andrea Pirlo. Mouah, viva Italia. Magnifique, la défense maintenant. Faut pas perdre espoir. Je sais pas si on est sur du world record. On va enchaîner avec de la Serie A. Ok, deuxième défenseur maintenant, Maldini. Ok, il est pas là. Wendy Renard. Allez, ça part parce qu'on a côté droit aussi du Lyon. Côté défenseur droit, là par contre, on va avoir du Emerson Royal à 78. Et là maintenant, côté gauche, Bichent qui va sortir de sa tanière. Il n'y a pas de Bichent, les gars. Il y a Hernandez. Oui, franchement, je suis sur une draft. C'est sûr qu'elle aura le call. Après, est-ce qu'on va faire le world record? Je sais pas. Irp, c'est la meilleure note. Par contre, ça va être dur. Setch, franchement, pour un petit point. Petr Cech, c'est pas que Irp j'aime pas, mais Irp je la prends quand on est vraiment sur des prédispositions. Là il y a vraiment pas d'anglais, pas d'icône anglaise, et forcément voilà, il y a David Beckham qui tombe. Mais vous voulez que je vous dise quoi? C'est eSport, c'est la vie, c'est comme ça. Je vais le mettre, et je vais le mettre à la place de qui? À Diani, je pense. Ah ouais, direct, hein. Putain, le Irp, enfin là Irp, je m'en veux, mais c'est comme ça, hein. Je peux pas non plus prévoir malheureusement cette possibilité. On enchaîne avec Mittelstadt, côté Allemagne, c'est pas mal. Et je vais aller sur le deuxième défenseur. Franchement, je dis c'est pas mal. Mais Frimpong, c'est un peu mieux. Voilà, ça c'est bon. Frimpong, je vais pouvoir le sélectionner. Le mettre, je pense, titulaire. Il vous faudra un défenseur. Là. Il n'y a pas assez de gros joueurs. Il n'y a pas assez de gros joueurs. Allez, yeah. Donne. Voilà, te prive pas. Sadio Mané, qui fait partie de la nouvelle promotion. En revanche, est-ce que je le prends? Je suis pas sûr. Parce que après, Mané, je peux le mettre buteur. Mais comment il va avoir son col, frérot? C'est impossible, c'est impossible. Van Basten, au moins je le prends. Je sais que je peux le mettre buteur, je sais qu'il aura son collectif. Ça fait plus 3, plus 1 en termes de collectif. En plus, hollandais, c'est vrai, j'avais pas vu. Pour Frimpong, c'est intéressant. Prochain joueur attaquant. Bon, bah là, on va me donner Karim, je prends Karim. Prochain joueur au milieu de terrain, on va skipper, ce sera Kamsik. C'est terrible, c'est terrible. J'ai laissé encore des bons choix, hein, donc je suis pas non plus pessimiste. Je vais sur le choix du gardien. Oh bah si c'est un bon choix, par contre c'est pas fou. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Terea Di Gregorio, ça passe sur le gardien italien. Et je vais aller sur les choix de la réserve, on va les faire tous d'un coup. Et je veux que des gros joueurs. On commence avec Lolo White, Laurent Blanc, magnifique. En plus il peut jouer en défense, il peut jouer MOC, pas mal. Belle possibilité. Il me faudrait maintenant un AG. Ouais, mais un DG en vrai. Ça, franchement, je peux améliorer un peu de partout. Hein. Ça va dépendre un peu de ce qu'on me donne. On va me donner Zanetti. Zanetti, c'est bon. Zanetti, c'est beau ça. Plus un de colle. Magnifique. Je pense qu'on va. C'est sûr la team faire un 92. Après, est-ce qu'on va arriver au 93? Je ne sais pas. Karchaoui. Ah, purée. J'ai Wendy Renard en vrai. Il y a grave moyen. Je mets Wendy là. Pardon, je mets Karchaoui ici. Je mets Diani côté droit. Ouais. On va faire ça pour le moment. Et Beckham. Je pense qu'on va mettre, ouais, on va faire ça pour le moment. Et là, il n'y a que Vinicius qui serait en léger manque de colle. Mais on va trouver une possibilité, vous en faites pas. Il faudra un entraîneur de Liga ou un entraîneur brésilien, franchement. Ou une icône brésilienne. Allez, le roi Pelé, maintenant, c'est ton temps. Non, c'est pas moment. C'est pas grave, on prend Gnabry et on a quand même une belle note. Avec un 91, est-ce qu'on va réussir à faire plus que 91? Je remets Yeremina,
mais on va surtout caler barré là. Pas de 126, même pas de 125. Oui, c'est dur. Hein. Pourtant, la draft, elle est magnifique. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 icônes, 8 en comptant Hernán Crespo. Et nous allons choisir le coach. S'il est brésilien, c'est magnifique. Avec une meilleure défense, ça c'est cool. On s'améliore. Par contre, ouais, c'est 8 icônes, c'est énorme. Mais 124, ce n'est pas ce que l'on recherche. Là, la team, je sens le roi Pelé. On a vu tout à l'heure que c'était pas mal. Avec Camille Abidé, etc. Mais là... c'est nul. Ah mais non. Purée, si je pouvais avoir le roi Pelé, c'était sur ce choix. Attends, bah après je sais pas, tout le monde il retombe. Mais putain, je crois que j'ai ruiné mes chances la team. C'est pas grave, on continue. Larson, je pense que ça va. Milieu de terrain. Allez, purée, mais j'ai tout niqué. Je voulais vraiment, je veux Pelé en fait. Je vous dis, j'ai fait une vidéo pour avoir Pelé 97. Rodri 89, ça part. Et le dernier milieu de terrain, bah c'est sûr, c'est pas Pelé. Ça peut pas être Pelé. Patrick Guillard, oh. C'est la meilleure note. Ouais, Bernardo Silva, ça passe, mais... Oui, mais bon, Patrick Guillard, oh, elle aura son col à la fin, vous en faites pas. Le Tissier ou Konaté. Ouais, franchement, je trouve pas mal. Franchement, le choix intéressant. Avec Konaté, ça part sur le joueur français. On va espérer Virgil. Big Virgil. Big Virgil, Yashin, magnifique. Côté droit. Et franchement, là, la team, on n'a pas eu Pelé, mais pour le moment, on s'en sort bien. Lamptey, magnifique. Je vis sur le côté gauche. C'est vrai qu'il faut penser au Barça. C'est vrai que le jeu au Cancelo, il aurait bien mis. Fernand Mendy, c'est pas la meilleure note. C'est Hernandez la meilleure note. Qu'est-ce que je fais? Fernand Mendy. Non, Hernandez. Hernandez, ça part. Et le gardien. S'il te plaît. S'il te plaît, yé. Et c'est beau, ça, Alisson. Magnifique. J'allais regretter. Tu vois, j'ai vu hier. J'ai fait purée. Ça va, Alisson. Magnifique. On a bien fait d'avoir pris Konaté. Est-ce qu'on est sur un world record? Je sais pas, mais je vais viser le roi Pelé. Hein. Je vais aller sur ce choix-là. Pelé, Pelé. Putain, j'aimerais trop avoir Pelé 4. Juste voir sa carte. Franchement, ça serait magnifique. Ginola, on va le mettre numéro 10. Et là, Pelé. Ouais, non, c'est pas beau. Là, le choix vert comme ça, ça c'est sûr, c'est pas Pelé la team. Je vais partir sur le genre Niswa Diop. Allez, on enchaîne avec la réserve. Premier genre de la réserve. Je vais Pelé. Bon, je vais arrêter de me répéter. C'est peut-être un peu chiant pour vous, je l'admets, j'arrête. Maintenant. Après, si j'ai Pelé, les gars, je vais gueuler, je vous dis la team. Je pense qu'on l'aura pas. Peut-être qu'on l'aura, mais pour le moment, on l'aura pas. On va avoir Raoul. Gullit, je peux le prendre, mais Gullit, je peux l'avoir en meilleure version à 94. Là, Raoul, en soi, en attaquant, là, ça va bien m'aider. Hein. Je pense que ça va me payer un peu tout ça. On va partir sur Raoul titulaire. Défenseur, c'est un peu faible. Hein. Il me manque des 96, des 97. Compagnie ou Frimpong. Plein intéressant, franchement. Bah Vincent, c'est pas mal en vrai. Hein. Défense centrale. Côté gauche, est-ce qu'on peut pas mettre... Ouais, je peux... Ou sinon, si vraiment... Parce que c'est la meilleure note de toute façon. Mais Frimpong, est-ce qu'il rentre? Frimpong, est-ce qu'il a cette possibilité de rentrer? Je suis pas sûr. Franchement, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui vont pouvoir avoir cette possibilité-là. On est quand même sur la fin. Je vais partir sur Vincent en compagnie. Et je vais laisser pour le moment la draft comme telle. Ouais, on va laisser comme ça. Allez, on enchaîne! Appelez la team. Allez! Ok, on va avoir Rafa, deux derniers joueurs dans la réserve. On va en faire un, après on va en défense, après on fait le gardien. Et après, on termine avec le dernier joueur de la réserve. Et on espère avoir Pelé. Mais est-ce qu'il sort? Oh, Karim! Pff, magnifique. Franchement, Karim, je ne m'y attendais pas. Espagnol ou De Arkema? Enfin non, De Arkema du coup, mais espagnol. Donc Ligue espagnole. Parfait, les gars, c'est bon. Je ne cherche pas à comprendre. On a un Sergio. Magnifique, les gars. On accomplit le 124. Et oui, la team, j'ai du mal à compter. Après, c'est normal, il est 23h55. Oh, 4-3. Allez, on part, la team. On va espérer avoir un bon choix de capitaine. Fernando Hierro, c'est très très bien. Et on va sur les milieux. Bon. On va espérer avoir 46 icônes. Schweinsteiger, j'aime beaucoup comme ça. Putain, la carte, elle est magnifique. Hein, les petits cheveux blonds, ça m'a convaincu. Je pars sur Schweini. J'aime beaucoup De Bruyne. Et on peut l'avoir en Totti. Donc, pas de peine. Je vais partir encore sur Dalglish. Pour le moment, il n'y a que des icônes, hein, j'ai l'impression. Bah, est-ce qu'on est sur une draft full icône? Pour le moment, oui. Je veux que ça continue comme ça. Côté droit, on peut avoir une icône. C'est sûr, il y a Garincha. Allez, côté droit, Garincha. J'ai envie de tenter un challenge, là. Mais en même temps, Saka, franchement, pour un petit point, vas-y, Jairzinho. Je t'embrasse, mais c'est la fin du challenge. On va arrêter avec les challenges à la con, on veut le world record. Heung-Minson, magnifique. Franchement, c'est très, très bien. Saka, Heung-Minson, c'est beau. Milieu de terrain, Alexia Putellas. Pour le moment, on est très très bien en fait. Avec toutes les icônes qu'on a, on peut faire qu'une grosse draft. Regardez, c'était Xuman. Pas d'où elle le sort. Elle arrive à avoir son collectif. Magnifique. Côté droit, on a le bronze, l'Odrup. Voilà, là, ça part sur l'Odrup. Encore une icône.
Mais je pense qu'on va avoir encore des meilleurs latéraux en remplaçant, je sais pas, je le sens. Kamavinga, c'est la meilleure note. On part sur Eduardo Kamavinga et gardien. Si on a gardien de PL, on a full call. Donc c'est ce qu'on vise, hein, si on peut l'avoir. Et il tombe pas. On va avoir Provedel ou Telachian. Ça part sur Telachian. 90 de notes, 32 call. Je suis sur un très très bon start, mais j'ai peur que là, ça se casse la gueule. Pour le moment, ça va. Cafu, je vous l'ai dit, je savais que ça allait venir. Le meilleur joueur. Laudrup, je peux peut-être le mettre. Non, on va le laisser. On va le laisser sur le banc pour le moment. Cafu, on va le mettre titulaire, défenseur central maintenant. C'est juste ce poste qui me manque. On va pas l'avoir. Aïe, aïe, aïe. Pas de décès. Acuna, le seul défaut qu'on a, vous le voyez, c'est la décès allemande. Parce que la note, là, c'est pas possible. Il faudra améliorer ça. Et ça va être dur d'avoir un décès en soi. Pas si évident que ça. Michael Owen, à la limite, ça va nous faire le call. 32, magnifique. Il manque un point pour Tiraciano. On va aller essayer de le changer maintenant. Allez, le gardien de PL, il va tomber avec Areola. Mais est-ce que c'était le joueur sur lequel on pouvait... on voulait... Non, franchement, non, c'est pas le joueur qui va me donner le ballon de record. Et je vais choisir encore un choix de la réserve en espérant avoir un décès. C'est vraiment le poste qui me manque. Vraiment, Gossens, on part sur le joueur allemand. Mais qui peut pas jouer d'essai. Je vais aller sur le dernier choix de remplaçant. Et Bichent. Bichent, il n'y a pas de décès. Il n'y a pas de décès. Bichent, c'est bien. Ça va nous faire quand même un petit plus 6. C'est pas négligeable, mais vous le voyez. Il y a juste elle. Purée, elle me rend fou. Elle me rend fou. Attaquant. Un buteur. Allez, à 95. Magnifique. À Thierry Henry aussi. Oh, il peut jouer à G. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Après, les deux. Franchement, les deux sont beaux. Mais Cruyff, en même temps. C'est Thierry Henry, c'est beaucoup plus rare, mais je me dis Cruyff, bah, c'est quand même aussi rare, quoi. Donc je vais partir sur Cruyff, je mets 95. En même temps, AG, c'est dur aussi hein, d'avoir un bête d'AG. Les milieux de terrain, si on appelait, ce serait fou, ce serait la Folax. On va avoir Mahrez, ok. Bon, là, je suis pas le joueur sur lequel je m'attendais. Et le dernier milieu de terrain, on va me donner Claude Maurice. Ok, bon, on fait 33 de colle, 90 de notes maintenant. Le banc, franchement, on m'a pas donné des joueurs dégueulasses. Il me faudrait juste un défenseur central. Et je pense qu'on va faire une très grosse draft. Léo Messi, 91. On part sur Léo. Ok, je regarde un peu les changements de poste. Il m'aidera pas. Un décès. Putain, il n'y a pas de décès, la team. Il n'y a pas de décès. On ne peut pas me donner le défenseur central. Et pas de décès, malheureusement. Et on va terminer cette draft, je pense, sur un 91 minimum. On peut parler de grosses désillusions. Là, je m'attendais à avoir une très grosse draft. Et malheureusement, on fait que 123. C'est frustrant de fou. Enfin, enfin les gars, 4 autres offensifs, on veut Pelé. Allez, c'est maintenant, le roi Pelé 97. Bon, capitaine non. Alors Karim, mais c'est très bien. Je prends Karim Benzema et là, Pelé 97. Non, choix vert. Oh, j'ai pas de chance, je suis vert, j'ai pas de chance. Bon, c'est pas grave, Elliot. Bon, est-ce qu'on peut faire une remontada? Peut-être, bon, c'est pas grave, le roi Pelé, on l'aura en remplaçant. Hansen, 91, ok. Côté gauche. Franchement, ça va. Ronaldinho, 93, c'est très bien. Les deux MC maintenant. Est-ce qu'on peut peut-être enchaîner avec du gros joueur? Lothar ou Camille? Ah, Billy quand même. Hein. Allez, on part sur Billy. Un point en plus. Lothar, on peut peut-être le revoir. Et Puteyas, 96 de général. Wow, magnifique. On va en défense. Maldini, est-ce qu'on a bien fait d'avoir pris Camille? Je sais pas. On va voir maintenant. La chaîne centrale va nous le dire. Tomori, en vrai, ça va, ça passe, hein, ça va avoir le col, c'est sûr, en tout cas. Les latéraux, maintenant. Ok, Molina, Mazraoui. Molina, franchement, les deux, ça sera compliqué. On va devoir remplacer ça. Peut-être un défenseur droit tout à l'heure. Roberto Carlos, déjà, côté gauche, c'est bon. Et le gardien, Alisson Totti, je le sens bien. Setch. Ok, je veux pas cracher dessus. 92 de notes. 32 de collectif, on est sur la plus grosse draft de la vidéo, en tout cas en tant que démarrage. Je m'en rendais pas forcément compte, mais c'est vrai qu'on a 96, 94, 93, 93, 92. Non, franchement, 93 aussi, Ronaldinho. Non, c'est très très bien. Il me faudrait un latéral droit. Ok, on va me dire d'aller me faire foutre et on va me donner Souza. Ok, on repasse à 91. Maintenant, latéral droit. Allez, j'y crois la team, le défenseur droit. On va me donner Lawrence. Ouais, ça part, hein. Je vais pas non plus... être compliqué et je vais partir sur Lawrence. On va faire ça. 33 de call. Maintenant, numéro 10. Allez, un Pelé 97 et on fait le world record. Miroslav Klose. Miroslav Klose. Oui, Camille Abili MOC. Miroslav MC. Magnifique. Et là, je vais maintenant aller dans la réserve. Pelé. Pelé, putain, mais Pelé. C'est avec toi que je vais réussir. Ça que tu comprends pas, mon ami. Allez, sors. Ok, Vinicius 92.
Je peux le mettre à la place de Karim. Je vais faire ça d'ailleurs. Hop, on est sur une très très belle draft. Je peux peut-être améliorer la défense centrale. Même le défenseur droit, en vrai, c'est pas non plus la meilleure note. On a Battle, ce sera incroyable. On se fera un côté Barça, mais je te dis pas, mon gars, ce sera incroyable. Ok, mid. Je peux... Non, franchement, non. Je vais aller encore sur la réserve. Je dois en choisir un. On va me donner Ferenc. Magnifique, Ferenc Puskás. On va le mettre là. On a un très, très beau banc. Maintenant, là, il faut des gros joueurs, en fait. Voilà, si là, on a Pelé, c'est fait, les gars. Allez. Allez, le Wapel et la VL. Ok, 90. On va partir sur l'américaine. On enchaîne avec le dernier joueur remplaçant, Xabi Alonso. Ok. On part sur Chabit et on va sur l'attaquant, la team. Allez! S'il te plaît, Pelé. Ok, bon. Je pars sur Hechberg. 91. Franchement, je pense que le banc sera sympa. Après, oui. C'est vrai qu'il me manque encore un. Putain, il me manque un. Ouais. Allez, Messi, ça va. C'est bien, c'est bien. Il me manque encore un gros joueur. On l'a. On a une très très belle moyenne en soi, je pense, là. On a que des 89 minimum dans les remplaçants. On teste quelques possibilités en mettant Puteyas côté gauche, Ronaldinho MOC. Mais je ne peux pas mieux faire. On va en 2-2 rangée. Je connais personne. Donc je vais choisir le tonton espagnol, Sergio Lobera. On est à 92 de notre en 3 de colle. L'une des plus belles drafts. Si ce n'est pour moi la plus belle draft de la vidéo. Regardez-moi la moyenne d'attaque. Regardez-moi la moyenne de milieu. Il manque de la défense. C'est ça qui manque. Il faut muscler notre jeu. Muscle ton jeu, Robert. On est passé à ça, je pense, du 126. Oh. On va faire une vidéo dans la semaine. Et je vais retenter d'avoir le repelé si on l'a pas maintenant. Mais là, je le sens bien. Je sais pas pourquoi. Je sens que le 97 Pelé, il va tomber. Ronaldinho. Et maintenant, Pelé. Allez, allez, Pelé. Pelé. Pelé, putain. Pelé, il est pas là, les gars. Pelé, il est pas là. Il est où, bordel? Je veux Pelé 97. C'est dur d'avoir Pelé. Ah. Après, je me plains pas parce qu'on est sur un très, très beau démarrage de draft. Et c'est con quand même de partir sur un délire. On veut Pelé. Mais bon, ça va. Attends, on va se calmer, la team. On a bonne Matisse. C'est pareil que Pelé. C'est 97. C'est incroyable. Et je vais aller sur le dernier MC. Puteyas serait phénoménal. De Bruyne. Alors là. Alors là, on est sur un très gros démarrage. Je vais aller ici parce qu'on a Battle. Elle n'est pas là, mais ça aurait été bien de l'avoir, franchement. Zombrota, ça part sur le latéral droit italien. La défense centrale, Maldini. Ok, ok, encore. Là, je commence à hausser le ton parce que plus il y a d'icônes, plus j'ose le ton. Bon, je baisse un peu le ton. Romero. Là, il n'y a pas de Roberto. Il va y avoir un Reguilón. Ou Estupiñán, ça part sur le joueur de Brighton. Et je vais aller sur le gardien. Allez, Nikon, s'il te plaît, ça serait tellement beau. On va avoir Alisson, on va avoir Courtois. En soi, Thibaut, il va avoir son col. Donc, Thibaut, ça part. Hein. Thibaut, 92 de notes, 32 de col, 4-3-3, MOC, meilleur compo pour faire des drafts. Les gars, si vous recherchez la composition parfaite, c'est le 4-3-3 avec un MOC. Parce que si on arrive à faire entrer Pelé, c'est masterclass, Puskás. Je peux peut-être le faire entrer, Ferenc. Eh oui, je vais faire ça. Am, on va la mettre MOC. Le Bruno, on va le mettre sur le banc. Et le Ferenc, on le met titu. Je veux un DG. Ah, putain. C'est un cheat code, ça. C'est vrai, je vais zapper. C'est beau, ça, en vrai. Et j'ai même Zambrota qui peut jouer DG. J'ai trop d'idées, là. Allez, juste donne-moi des gros joueurs. Je veux juste des grosses notes. Magnifique. Magnifique. Ferland Mendy ou Frimpong. Franchement, je suis à deux doigts de prendre Ferland. Après Frimpong, je peux le mettre côté droit. Je mets Zambrota défenseur gauche. Mais Ferland Mendy en soi, ça, je sais pas, ça me rassure en fait. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Je vais partir quand même sur Frimpong. Mais Ferland Mendy, il y avait le Real et tout. Je sais pas pourquoi il me tentait bien le monsieur. Peut-être c'est le collectif. Hein. Est-ce que j'ai fait une erreur? Je sais pas. Je verrai après à la fin. Je sais pas, il manque encore que 2 points, donc ça va. C'est pas une très grosse erreur parce qu'on a Battle. Elle est là la team. Elle est là la madame. Incroyable. Et ben là, ouais, c'est une erreur, parce que du coup, Ferland Mendy, tu vois, je peux le mettre défenseur. Ah, on a Battle, je peux la mettre là aussi. C'est vrai, j'ai zappé. Mais pour le moment, on va faire ça. 93 de notes, 33 de collectif. Allez, on va réussir. C'est beau, c'est magnifique. Je choisis l'attaquant, parce que je suis un peu sous pression, je vous dis la team. Là, si on a un gros joueur, ça aurait été beau, tu vois. Diani, c'est beau en vrai, mais c'est pas... Putain, je suis sous tension là, je suis sous tension. Il me manque qui en soi? Je suis déjà full call, un DC. Putain, toujours le DC, bordel. Allez, un DC maintenant. On n'en parle plus. Jairzinho,
qui retombe. Je vais partir sur Jairzinho. Ouais, de toute façon, il n'y a personne qui peut jouer dans l'axe, on réfléchit. Mais on va prendre Jairzy. Je pense que le banc, il sera facilement faisable. Les milieux, allez, premier qui va me refaire passer du coup à 92. Mais t'inquiète pas, mon copain, que là, je refuse de voir ce 92 sur l'écran d'affichage. Je vais aller ici, en espérant avoir un gros défenseur central. Yeah! Ils m'ont donné Léo, putain, ils me trollent. On repasse à 92. Ça va être dur de faire le 94 de notes. Putain, allez, allez, yeah. Allez! Allez! Un gros joueur! Bichent! C'est magnifique en soi, Bichent. C'est pas le décès. Mais après, on peut s'arranger. Hein. On peut s'arranger, Bichent. On va le mettre ici. Il fait perdre du point pour Romero. Je l'avais pas prévu, ça. Allez, je vais faire le milieu de terrain. Il sera ignoble. Yeah, je vous déteste. Quand vous êtes comme ça, vous êtes atroce. Vous êtes ignoble. Aïe, 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 aïe. Unai Simon. Et là, un décès. Si j'ai un décès parmi ces deux choix, je peux peut-être faire le 126. Mais il me faut un décès obligatoirement, sinon c'est mort. La team Stanisic, ça peut jouer dans l'axe. Ouais, après, Stanisic, ça va pas forcément rentrer. Je vais tenter un truc après, je pense, avec Frimpong et le Bayer Leverkusen, il y a un truc à faire. Ouais, on va tenter la team. Et je pense que le 193, il est faisable. Même si à la fin, on se chie un peu dessus, je vous dis la vérité. Ah, y a pas de 93, mon gâté. Il me manque un petit point pour Mohamed Salah, mais je pense que ça va être réglé assez facilement. Même Ham, je peux faire ça, tu vois. Je peux mettre Ham ici. Bruno Fernandes, je le mets MOC. Si on avait eu un gros joueur à la place de Spinazzola à la fin, je pense qu'on pouvait faire le 126. Et donc, le record actuel, puisque personne n'a encore réussi à faire le 127. Et je ne serai pas le premier humain sur Terre à réaliser ce score de 94. Je ne lâcherai rien. Je vais vous retrouver dans les prochains jours. Ne vous en faites pas. Pour ce qui est du coach, on va terminer avec Monsieur Schneck. On termine en beauté la team. 92 de notes, 33 de collectif. Très très belle draft. La moyenne, elle est incroyable. Mais ça ne suffira pas pour faire le World Record. Je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, dans les prochains jours. Attention par contre, faut mettre le like parce que ça permet de dire à YouTube que ça met en avant la vidéo. C'est très important pour la chaîne YouTube pour que je vous sorte pas une vidéo. Demain, j'arrête FIFA. Voilà, ça sera un peu con. Je vous dis à la prochaine. Plein de gros bisous. C'était votre Gaffen. Ciao.